Que la paix soit avec vous, mes frères et sœurs. Que la paix soit faite en vous, par vous. Alors, lorsque je parle de paix, je parle évidemment de cette paix intérieure qui illumine chacun de ses regards. Peu importe d'ailleurs le chemin qui vous y a conduit à la paix, que ce soit la méditation, la prière, la drogue. Ah, ne mens pas ! Peu importe, nous sommes rassemblés ici, ce soir, ensemble. Nous ne faisons plus qu'un dans cet instant magique de paix éternelle. Ah, j'adore cet instrument, c'est pour ça que je l'ai mis là. Par contre, faut mettre la patte, parce que très vite, ça casse les couilles, ça bourdonne. Cet instant de paix éternelle, disais-je, représente le passé, le présent, le futur. C'est dans cet instant de grâce de l'éternité que naîtront les hommes de demain. C'est là que reposent ceux d'hier. Qu'il repose en paix. Qu'est-ce que tu fais, Jati? C'est pas vrai, merde. Il me balance un bruit de paix, là, j'y crois pas. J'étais en train de penser à mon père, en plus, au moment où t'as balancé ce truc-là. Ce soir, on ne triche plus, Jati. Ce soir, on est en vérité. C'est pas drôle, la vérité. C'est vraiment un spectacle horrible. Bah, tu lui préfères le bruit d'un paix? Ah, bah moi, je trouve ça beaucoup plus drôle. Soit. Je m'incline. Ô cruelle désillusion. N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Moi qui croyais avoir accompli une œuvre humoristique majeure qui aurait traversé les temps. Moi qui croyais avoir rassemblé autour de moi un public intelligent et ambitieux. Oh, vas-y, tu peux rigoler, tu sais. Mon fils qui a 7 ans m'a dit « Papa, c'est le meilleur moment du spectacle ». Pas sûr qu'il ait les capacités de reprendre la boutique, le petit.
Ça suffit, Jackie, y'en a marre. Ce soir, amis lyonnais, je vous demande à tous d'être un peu ambitieux, étant donné l'état dans lequel se trouve ce monde. Ce soir, que nos rires deviennent feux d'artifice et nos larmes, feux de paille. Ah, je me sens poète. Pour vous, pendant des années, j'ai traqué le ressort comique jusque dans les zones les plus sombres de l'âme humaine, dans ce que la société a pu produire de plus abject. Mais aujourd'hui, alors que je m'apprête à quitter la scène, étant donné mon grand âge, j'ai décidé, ben je sais... J'ai décidé, ce soir, de vous faire rire avec ce qu'il y a de beau en l'homme. Alors, bon, voilà, ça devrait être un spectacle assez court, c'est vrai. Bon, Jackie, arrête. Tu sais, c'est le dernier spectacle, il veut vous montrer tous les effets qu'il a dans l'ordinateur. Il est fier. Arrête, Jackie, putain. Je comprends que tu puisses stresser sur ton avenir professionnel. Hein. Il est clair que tu ne retrouveras plus jamais de travail. Mais ma décision est prise, elle est irrévocable. Attends, mais c'est ton dernier spectacle en date. Non, c'est le dernier spectacle tout court, Jackie, tu le sais bien, hein. Tu vois? Et voilà. Attends, à moi... Remue le couteau dans la plaie, vas-y. Ou alors c'est une stratégie commerciale. Ah, le vice que t'as en toi, t'as vu ça? Non, Jackie, c'est un accomplissement artistique, mais tu ne peux pas comprendre. Parce que t'es trop con, Jackie. Excuse-moi, hein. Mais non, mais tu n'as pas la vision. Ce soir, je m'en vais en paix. Putain. Ouais, d'accord. Non, mais attends. Ouais. Non, mais tu t'en vas pour faire quoi? Mais ferme là. Mais pourquoi tu me parles? L'autre, le spectacle a commencé, il me parle, l'autre. Bon, c'est vrai qu'il va vous falloir vous trouver un autre humoriste. Un ski, voilà. Je vous le fais pas dire. Ça va pas être facile. Vu la gueule de la concurrence, oh, ils sont mauvais, les salopes. Le problème... Non, mais arrêtez, on est en paix. C'est pas qu'ils soient mauvais, c'est pas qu'ils soient... C'est l'autocensure. Les mecs, je les connais, ils viennent me voir, ils viennent à la main d'or, ils mettent une casquette, ils se planquent. J'y dis, tu crois que je t'ai pas vu? Bon, les gars, non, mais tu vois... Bon, à la fin du spectacle, il me dit, ouais, c'est vrai, Dieudo, bon, c'est vrai que t'es marrant, mais bon, moi, mon casier judiciaire, il est vierge. Mais je lui dis, c'est tout à fait normal. Tu n'as jamais fait marrer personne. Il manquerait tout ça. C'est pas avec tes trois blagues à la con que tu vas avoir accès à la condamnation, réveille-toi. Enfin, c'est réservé à une certaine élite. Bon, et surtout à certains sujets. Ah, mais non, ce soir, s'il vous plaît, ce soir on est en paix. Ce soir on se transcende, ok? On trouve la verticalité. Ce soir, on a dépassé les étoiles et les galaxies. Ce soir, on est dans l'éternité, mes amis. Hein? Je lui ai dit à l'humoriste, tire-toi, va faire de la télévision, va faire des pubs pour la banque, tiens. T'auras pas de procès avec ça. T'auras un casier judiciaire vierge. Bon, ce qui n'est pas mon cas, faut que je sois honnête. Hein. J'ai un très très beau casier judiciaire. En quelques années, je me suis constitué un patrimoine historique. C'est du jamais vu. Mon avocat m'a dit, j'ai jamais vu ça. Remplir un casier en aussi peu de temps, en 2 ans. Mon casier, il est rempli, mais ras la gueule. Mon avocat m'a dit, il va falloir en ouvrir un deuxième. Le procureur, ferme-la, le procureur de... Le procureur de Paris, bon, je le vois une fois par semaine.
dans le cadre de mon activité humoristique. Ah, faut rigoler, c'est n'importe quoi. Et alors l'autre, au début de chacun de mes procès, il énumère tout mon casier judiciaire. Toi. Ça commence à être long. Il y a des gens qui s'endorment, tu vois. Ah, il y a des femmes qui allaitent leur gosse, tu vois. Non, non, mais attends. Il y en a, ils pètent des chaises, ils font des merguez. Attends, à un moment... Ah oui, hé hey. À un moment donné, il y a l'appel du bide. Alors, sur certaines condamnations, il y en a toujours... Bravo, Dieudonné, on est avec toi. Taisez-vous, les mecs. Ben oui, mais il me gronde, le gars. Alors, j'ai pas de Molière, j'ai pas de César, il n'y a aucune merde comme ça, mais j'ai un casier judiciaire de 12 pages. Ça fait de moi une référence internationale. Fermez-la, ils vont pas être contents, les gars. Non, 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 c'est vrai, ça fait des jaloux. Mais même au niveau international, j'ai un collègue humoriste nord-coréen, il m'a appelé l'autre jour. Ouais. C'était suite à mon expulsion de Hong Kong. Moi, j'y croyais pas, putain, ils m'ont expulsé avec mes gosses. C'est une première depuis Magellan, pareil, sur un truc... Ah ouais, il m'a appelé, il dit, ouais, je suis humoriste en Corée du Nord, putain, comment tu fais? J'ai vu que t'étais condamné à de la prison ferme en Belgique, putain, comment tu fais? Je lui ai dit, calme-toi. C'est l'avantage de vivre dans une véritable dictature, mon vieux. Ah, il m'a raccroché au nez, il était vert. Non, mais tout ça, c'est terminé. Place aux jeunes. Allez, les jeunes humoristes, à vous de jouer. Allez, en tôle, moi, je me casse. Tout a une fin, ici-bas. Mis à part l'infini, bien sûr. Premier sujet du spectacle. C'est vrai que je me fous pas de votre gueule. Hein. Essaye de faire marrer avec l'infini, tu vas voir. Ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec mon fils, celui qui a 7 ans, là, qui rigole avec les proutes. Là, il me dit l'autre jour, papa, ça s'arrête où l'infini? Oh. Je lui dis, tu me fatigues. C'est le week-end, je sors de garde à vue. Je suis humoriste, moi, pas astronaute. Qu'est-ce que tu veux que je sache de l'infini, moi? Demande-moi une blague à Toto, demande-moi je sais pas quoi. Allez, va me chercher les pistaches sur la table du salon. Il me dit, oui, mais papa, la maîtresse nous a dit que l'infini, c'est ce qu'il y a de plus grand. Même vous, les parents, à côté, vous êtes tout petits. Elle a dit ça, la maîtresse? Comme quoi, on est tout petit avec ta mère. Et elle est quoi par rapport à l'infini, cette maîtresse? T'entends ça, chérie, comme qu'on est de la merde? Comment tu veux qu'on ait de l'autorité sur nos gosses, nous? Attends, déjà, on n'enseigne pas l'infini à un enfant de 7 ans. L'autre, il peut pas. Il a l'infini dans son crâne, t'imagines? Il sait même pas lancer ses godasses. Qu'est-ce que tu veux qu'il... Après, on s'étonne que les gosses, ils finissent à l'Eurovision en tutu avec une barbe et des nichons. Non, mais... Déjà, un adulte ne peut pas concevoir l'infini. On peut pas... Eh ben vas-y, madame, je sais tout, puisque tu aimes me contredire devant le gosse. Ça va jusqu'où, l'infini? Jusque... Ben vas-y, dans les Pyrénées. Non, non, ma femme est du Sud-Ouest. Pour eux, la fin du monde, c'est les Pyrénées. Oh, putain. Mais les Pyrénées m'étaient même pas rendues à mi-chemin. C'est beaucoup plus loin que ça, l'infini. Ah ben faut marcher encore une heure, ça n'a rien à voir. C'est en Espagne, je pense, mais je ne sais pas. Écoute-moi. Je suis en train de te dire, on ne peut pas concevoir. L'esprit humain ne peut même pas envisager l'idée de l'infini. Tu peux pas. Tu n'as pas l'énergie là-haut. Tu peux. Écoute-moi, je parle. Tu fais pas tourner un TGV avec une pile LR6. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tais-toi, ma chérie, parce que tu sais. Ça va finir en main courante, cette histoire. Moi, je suis contre l'école publique, putain. Plus tu fais d'études, plus tu deviens con. Non, mais attends, c'est pas possible. Regardez les énarques. Non, mais attends, tu vas pas... La ministre de l'Éducation, Najat. Oh. Voilà. On parle de la même personne. Najat, c'est pas qu'elle est bête,
mais ça ressemble énormément. Parce que l'autre jour, elle donnait son programme pour les jeunes. Renferme-la, putain. Elle commençait des dictées. Alors, elle, même ceux qui étaient à côté, du mais quoi d'autre? Dictée. Mais alors, dictée matin, midi et soir, tu vois. Petit déjeuner, dictée. Moi, je l'écoutais parler, j'ai dit, je préfère envoyer mon enfant dans un hôpital psychiatrique. Je trouve que là-bas, la transmission est plus directe. Sous cacheton. Ah ouais, le gosse est mieux, c'est une éponge. Tu vois, il est là. Il comprend rien, mais il enregistre. Tu vois. Il est plus paisible. Hein. Bon, alors la nuit, il va un peu se faire violer par les infirmiers, mais au moins, il aura une jeunesse. J'ai dit à mon fils, n'écoute surtout pas ce que te dit la maîtresse. Hein. Et encore moins la ministre de l'Éducation. Hein. Tiens, viens ici, viens ici. N'aie pas peur, je suis ton père. Regarde-moi dans les yeux, c'est quoi cette façon de regarder les gens, putain? Voilà, voilà, tiens le regard maintenant. Tiens le regard! Vas-y, chiale, c'est bien. Pareil que t'as eu zéro en orthographe, toi? C'est bien, continue comme ça, je suis fier de toi. Par contre, t'as eu deux en mathématiques, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, t'es pas resté concentré, ben oui, mais t'as copié, ben attention, tu peux tomber sur un bon à côté des mecs, hein. Parce qu'à ce petit jeu-là, tu vas revenir un jour avec la moyenne. Ce jour-là, c'est direction le lave-linge, t'es au courant, hein. Position essorage, je vais te remettre les idées en place, moi, tu vas voir. Sois un cancre, c'est le meilleur diplôme que tu me ramèneras de l'Éducation nationale. Et n'oublie pas, tais-toi, tais-toi. Voilà. Le monde des adultes est un monde d'abrutis, ok? Donc profites-en tant que t'es jeune, parce que tu ne seras jamais aussi con que le mec que tu vas devenir, hein? Oui, mais réfléchis à cette phrase, tu vas comprendre. Bon, en plus, tu es mon fils, donc tu seras certainement un connard, et peut-être même un professionnel. Ah, c'est dans tes gènes, tu peux rien. Déjà, tes grands-parents, c'était des beaux numéros. Hein. Mamie, ah ben mamie, aujourd'hui, elle fait des bisous, bien sûr, mais à l'époque, elle avait la niaque. Moi, j'ai eu une formation d'élite dans la connerie. J'ai été réveillé à 3h30, le 21 juillet 1969. Je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. Hein. Ils m'ont sorti de mon plumard pour me mettre devant la télé, comme ça. Regarde! Sérieux? Qu'est-ce que je dois regarder? Eh bien, regarde la télé, andouille! C'est un moment historique, tu vas t'en souvenir toute ta vie! L'homme va mettre le pied sur la lune, on est en route vers l'infini! Oh putain! J'avais 3 ans et demi. Hein. J'ai tout de suite compris que j'étais tombé sur la mauvaise équipe. Ah, ouais. Je leur ai dit, amenez-moi à la DAS. Je m'en fous d'aller dans l'espace, je veux aller dans une famille d'accueil. Ah ouais, j'ai parlé à ma mère, j'ai dit, écoutez, madame. J'ai installé de la distance. Je lui ai dit, vous n'êtes pas compétente. C'est tout. Mais voilà, il y a une anomalie dans la nature, vous auriez dû être stérile. Attends, non, mais attends! On me réveille à 3h du matin, je suis de mauvais poil. Et puis c'est... Allez, fais un bisou, arrête de chialer. Mais oui, mais t'es ma mère. Mais tu m'aimes, mais oui, mais il est où ton instinct maternel, putain? Eh oui, les mecs! Ah ben, je t'appelle les mecs, oui, je veux dire... On réveille pas un enfant de 3h30 à 3h du matin! J'ai des dents de lait, je me chie dessus, moi! Je veux dire, non mais attends, j'ai tout un tas de réglages à mettre au point avant de rentrer dans vos délires lunaires, là! Ah, c'est là que j'ai commencé à faire de l'eczéma. Je me grattais, on aurait dit une panthère, parce que je résistais. C'est mon esprit résistait, et le corps aussi, toi. Je refusais d'intégrer la matrice. Je refusais de devenir le robot Charlie. Je suis Charlie. Je suis gentil. Je suis la démocratie. Oh putain. Non mais attends. Arrête, je regardais mes parents chialer devant la télé, ça fait quelque chose. Hein. On est sur la lune. Oui, ça va, ça va.
Tu sais, je me disais, si les ordures qui nous gouvernent sont capables de leur faire gober que l'homme est allé sur la Lune, bah, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Je me mets à la place des mecs de la NASA, bon, bah, tu te couches pas avec un carré d'as dans les pattes. Tu continues à plaisanter. Moi, la NASA, ils seraient arrivés avec leur scaphandre chez moi, tu sais. Ils auraient chié sur la table. Ils nous auraient dit, allez-y, mangez, c'est un vaccin contre la grippe. Ah, on aurait bouffé la table. Je suis tout de suite. Non, mais... Tu sais, j'étais livré à moi-même quand j'étais petit. Je regardais mes parents, ça fait drôle. Comment expliquer à ces deux personnes, a priori adultes, hein, que la seule façon d'aller sur la Lune, bon, eh bien, c'était d'éteindre la télévision et d'aller dormir. Tu peux pas. Il n'y a pas d'autre façon de te déplacer sur la Lune. Comment ne pas flairer l'arnaque? Attends, tu plaisantes. Ça se voit que ça a été tourné en Tunisie, cette merde. Il y a un dromadaire au fond. Et le coup de la Jeep lunaire, c'est normal? Attends, c'est pas se foutre de la gueule du monde. D'un côté, ils obligent les astronautes à faire des régimes pour perdre 50 grammes. De l'autre côté, ils embarquent une Jeep lunaire. Vas-y, monte ça sur la galerie, ça va tenir. Allez, faut qu'on y aille, il est là, là. Et puis, le tout pour faire 50 mètres sur la Lune. Tu le vois avec cette Jeep lunaire, il fait deux dérapages. Joint de culasse, merde, allez, on finit à pied. Pourquoi pas un cheval lunaire? Non, non, mais par rapport à l'histoire américaine, leur connerie de Far West. Tu prenais un vieux canasson, tu lui mets un bocal à poisson sur le crâne. Allez, gambade, l'autre, il partait. Enfin, moi, je suis en vérité totale, je dis ce que je pense. Ouais. Il y en a peut-être qui croient que l'homme est allé sur la Lune, il n'y a pas de problème. Vous croyez en ce que vous voulez. Hein. D'ailleurs, Jackie, mets un peu de lumière. Qui croit que l'homme est allé sur la Lune? Levez la main pour voir. Ouais, ben c'est... Mais laisse-le, enfin, il a le droit d'y croire. C'est quoi cette façon? Il croit, et alors? Mais vous avez raison de croire, si t'as envie, si ça te fait du bien. Ah, il y en a qui croient pas. Bon, ben voilà. Chacun doit pouvoir croire en ce qu'il veut, c'est ça, je comprends pas. Si t'as envie, le Père Noël, la petite souris, le 11 septembre, et alors? Non mais, et alors? Si ça te fait du bien, c'est ton doudou. Je comprends pas qu'on se foute sur la gueule à cause de croyances, ça m'énerve. C'est incroyable, toutes les guerres de religion qui sont en train de mettre en place. Moi, je vais te dire, je crois dans toutes les religions aujourd'hui. J'emmerde tout le monde. Moi, la semaine dernière, j'ai fait Ramadan. Ouais. Ah, c'était pas le moment, c'est pas la question. Tout de suite. Non, parce que, écoute-moi, j'ai une voisine qui est islamophobe au dernier degré. Depuis les attentats, elle est possédée, l'autre. Donc moi, ça m'attire, c'est comme un aimant, toi. Donc à chaque fois que je la croise dans le jardin, je la calcule comme ça, et je fais la prière comme ça. L'autre, elle dégueule dans les rosiers, je te jure. Puis j'ai les gosses derrière, ils sont taquins, je te cache pas. Quoi. À la Wakbar, on va te décapiter, quoi. L'autre, elle s'est jetée dans les ronces. Oh, le chien de la casse. Elle est revenue. Tu sais, elle a tapé à la porte comme ça. Il faut qu'on parle. Je dis, s'il vous plaît, madame, c'est Ramadan. Il est interdit de parler à des cochons. Elle s'est tirée, elle est rentrée chez elle, elle gueulait. Ouais, j'appelle la police. J'ai dit, allez-y, madame, ils connaissent l'adresse. C'est ce jour-là que j'ai fait Ramadan. Enfin, j'ai fait Ramadan. Faire Ramadan jusqu'à ce que je rentre dans les cuisines, quoi. Monsieur, ma femme avait fait un magret de canard. Oh, la sorcière! Elle te cuisine ça avec une sauce au miel. Oh, j'ai dit, faut que je fasse une pause. Je peux pas... Attends! En plein Ramadan, un magret de sauce au miel! Doit y avoir une sourate sur le magret, c'est pas possible. Et là, mais tu vois, encore une fois, moi je dis que toutes les croyances sont finalement le fruit d'une histoire qui converge vers un point.
objet du spectacle de ce soir. Et ce point, c'est la paix éternelle qui nous rassemble tous, évidemment. Hein ? Alors, à ce moment précis, interrogeons-nous. Sommes-nous, nous les êtres humains, plus prédisposés à incarner la paix que le reste du vivant ? La réponse est non, franchement, j'y réfléchis. Dans le domaine, les végétaux nous sont largement supérieurs. Faut arrêter, les gars, mais non ! Beaucoup plus paisibles, beaucoup plus en harmonie avec le reste. Tu verras jamais une salade avec une kalachnikov. Non, non, mais pas besoin. Faites le test, mettez-vous devant un chêne centenaire. Ça n'a rien à voir. Bon, déjà, l'envergure, la taille, il te domine, tu sais. Mais tu sens une verticalité, un enracinement, une stabilité, tu sais. Il n'y a pas de burn-out, j'ai mal au cul, tu vois. Là, on est... Moi, je suis taquin, donc je l'ai poussé dans ses retranchements, le chêne centenaire. Je lui ai dit, 100 ans au même endroit, c'est pas chiant. Entre nous, t'as pas eu envie de te tirer un week-end ? Il m'a même pas calculé, l'autre. Hein. Si, à un moment donné, il y a eu un coup de vent, il m'a fait ça, comme ça. Avec les branches, tu sais, il m'a glissé une épaulée. Non, mais j'ai rien dit, tu vois, j'ai rien, j'ai fermé ma gueule. Chez les végétaux, il y a aussi des connards, faut pas faire d'amalgame. Hein. Vous avez les épineux, vous avez les intrusifs, le lierre grimpant. Ouais, je suis emmerdé, j'habite à la campagne avec ça. Toi aussi ? Le lierre grimpant, oh putain, je veux pas faire de parallèle hein, avec certains groupes humains, mais... Aucun savoir-vivre, franchement. Hein. Le lierre grimpant, tu l'invites sur ton balcon, un an après, il habite l'appartement. Hein. Tu es en territoire occupé, c'est toi l'enculé en plus de ça. Bon, pareil, l'ortie, putain. L'autre jour, j'ai mon gosse, il se frotte à un ortie. Il hurlait à la mort. Je suis allé le voir, l'ortie. Moi, je m'en fous, je suis bien, je suis en paix, moi. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis allé le voir, l'ortie. Je lui ai dit, monsieur... Vous êtes un ortie. Il me dit une ortie, espèce de blaireau comme ça, tu sais. Je faisais des gestes. Mais c'était un ortie de banlieue. Je savais pas, tu vois. Bon. Non, mais le gars était sur la défensive. Donc je l'ai calmé. J'ai dit, écoutez, je vous en veux pas. Mais pourquoi piquer un enfant ? Il me dit alors, chacun son tiécar. Pourquoi il vient se frotter à ma gueule, ton gosse ? Ici, t'es dans le 7-8, monte-la jolie. MC Ortie, qui s'y frotte, s'y pique. Tu vois, le gars... Mais voilà, le gars était slameur, je l'ai compris après. T'as un Ortie slam. Et Non, mais voilà. Je lui ai dit, monsieur, vous êtes dans le hip-hop. Vous êtes dans le hip-hop. Bon, moi, j'ai mon gosse, regardez, il a les mollets, on dirait des framboises, je fais comment ? Vous avez de la chance, je suis en paix, mais un jour vous allez tomber sur un mec nerveux, il va revenir avec une tondeuse, il va raser tout votre quartier. Mais ça l'a pas impressionné, l'ortie. Hein. Tu sais, il s'est redressé dans le soleil, comme ça, il me regardait. Et alors ? Tu crois que tu me fais peur ? On repoussera n'importe où. On est prêt au djihad. Bon, je lui ai dit, on va y aller, ça sert à rien, si les orties s'y mettent, tant... Ah ouais. Complètement possédé, et puis ils étaient avec des orties, des ronces et tout, à la Wagbar. Ils sont en train de se monter le bourrichon, tu sais. T'es pas obligé de me croire. Je suis en train de t'informer. Il y a un groupe de végétaux au fond du parking Auchan de Mantes-la-Jolie. C'est en train de virer chocolat. Écoute, non mais t'es pas... Il me croit pas, l'autre. T'es pas obligé de me croire. Continue ta vie, vis tes trucs. Va voter, vaccine tes gosses, amène-les à l'école. Je suis en train de t'informer. Ça bouge chez, dans le monde du vivant. Pareil chez les minéraux. C'est silencieux, la caillasse, ça fait pas de bruit, mais ça rumine. J'ai eu une discussion avec un bloc de granit. Pas tout jeune, le pépère. Hein. J'étais en vacances chez ma mère en Bretagne. Ben, il avait été sculpté à l'époque des Gaulois. Donc là, je te parle, on est avant François Mitterrand. Et ils en avaient fait, si tu veux, un menhir, ce qu'ils appelaient. C'est un genre de quenelle, d'ailleurs, de l'époque. Ah, c'était... Oh, ouais, c'est la spécialité ici, je sais. Et... mais... Les... Ouais.
Mais donc en Bretagne, c'était les premiers menhirs de l'époque. C'était avant Lyon, avant votre truc aux crevettes. Là. C'était vraiment. Ah ouais, bah, je suis obligé de te répondre. Et ouais, au brochet, on s'en fout de ça. Et donc. Tu connais la recette. Hey, hey. Trois œufs, machin. Non, mais attends, oh. C'est mon spectacle ou quoi? Non, mais attends. Ah, je sais que beaucoup ici, vous pensez que c'est d'ici, les quenelles. Non, non, c'est de Bretagne en fait. C'était des trucs en. Bah ouais, bah c'est comme ça. Bah oui. Voilà. Voilà. Ils sont fiers de leur connerie. Alors écoute-moi ça. Bah, le Gaulois, il était taquin, hein. Il en foutait partout. Et donc je suis tombé sur ce menhir. Mais il était mal, il était oublié dans un coin vieux, sur le côté de la mousse sur le cul, ça allait pas. Non, mais je l'ai vu, je lui ai dit, ça va pas. Il me dit, ça va pas. Il me dit, je me sens tout mou. Je dis, pour un caillou, c'est pas normal. Alors, en même temps, un caillou dépressif, j'étais pas préparé. T'imagines bien, j'ai écouté par politesse, mais l'autre, il a 2 millions d'années. Donc, s'il commence à s'attarder sur les détails de sa vie, on n'est pas couché non plus. Hein. Il me dit, t'es gentil, tu m'écoutes. J'ai dit, oui, mais. Là, j'ai perdu tout le côté gauche. Donc, à un moment donné, il faudrait que je fasse une sieste aussi. Hein. Puis là, il commence à gueuler, ramène-moi dans la carrière où j'ai été taillé. Puis il gueulait, le menhir. Moi, je me suis dit, il va réveiller tous les cailloux. Hein? On va partir en glissement de terrain, ça va être de ma faute. Donc, moi, je l'ai embrouillé. Je lui ai dit, bon, écoute, je vais faire une demande à la préfecture. On va aller chercher une minute de pelle, on va te bouger, t'inquiète pas. Il me dit, t'es gentil. J'ai dit, oui, mais il faut que j'y aille, ça ferme à 17h. J'ai fait ma pute, mais je m'en suis sorti. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai que dans le monde animal, par contre, l'homme est quand même plus prédisposé que certains à incarner la paix. Quand tu vois le piaf, oh la vache, c'est stressé un oiseau, c'est dingue. Hein. L'autre jour, j'ai eu une discussion avec une merde, un perdreau, un truc de la campagne chez moi, là. Truc atroce, tu sais, à moitié, tu sais, tout déplumé. Et je lui dis, est-ce que tu es en paix? Il me regarde, tout ça. Non, il peut pas. Tu sais, tout le temps, il se regarde le fion, parce que... Non, parce qu'il est en stress. Parce qu'il a énormément de prédateurs. J'ai un copain qui est spécialisé dans les piafs. Il m'a dit, tu sais, le piaf, il peut pas. Il faut ce qu'il... Parce qu'il a peur. Et ça, c'est vrai, parce que j'ai acheté un chat, il y a pas longtemps. Poutine, je l'ai appelé. Je fais ce que je veux, oh. C'était pour les gosses, quoi. Un chat. Alors lui, il est pas stressé, hein, putain. Il dort 18 heures par jour. J'ai jamais vu ça. Au niveau économie d'énergie, tu peux pas faire mieux qu'un chat. Et quand il se réveille, c'est pas le marathon. Il se met sur un coussin comme ça et il fixe l'horizon. Pendant des heures, il est comme ça. Alors moi, je lui mets des coups de latte, toi. Je lui dis, non, tu sais, je l'ai acheté pour les gosses. Faut qu'il bouge un peu quand même le truc. Puis quand je le pousse, il me fait. Oui! Est-ce qu'il peut se passer quelque chose? Ah, on fait comment? À moins qu'il se foute de ma gueule, c'est possible. J'ai réfléchi aussi à ça. Même lorsqu'il s'apprête à tuer, t'as l'impression qu'il est en paix, le chat. C'est fou. Hein. Tu le vois, il approche. C'est impressionnant de le voir à la chasse, putain. Parce que c'est un tueur en série que j'ai acheté. Hein. Dans le jardin, il tue tout ce qui bouge. Hein. Ah non, le chat, ça lape du lait au début, mais très vite, c'est du sang. Hein. À la paille. Dans le jardin, il m'a fait des trucs. L'autre jour, je rentre, c'était un soir d'ailleurs, c'était après un spectacle, il y avait des plumes partout dans le salon. Je me suis dit, c'est bon, il y a un piaf, il s'est trompé d'adresse. Bon. L'autre, il est tombé sur Poutine. Fallait pas. L'autre, il l'a invité à une séance de massage, pliage, repassage, option acupuncture, parce que faut voir... C'est une arme de guerre, le chat. Tu verrais la rangée d'hameçons qu'il a au bout des chaussons. C'est impressionnant. Hein. Et alors, tu sais, il était sur son coussin, puis il m'a vu venir avec son regard du KGB. Là. Bonsoir. Bah, je lui dis bonsoir, Poutine. Bah, qu'est-ce que c'est que toutes ces plumes?
me dessin à moi. J'ai dit, c'est impossible. Tu ponds des œufs aussi? Et là, il a vu qu'il s'était foutu de ma gueule, que j'avais vu. Alors, il me dit, ah, les plumes. Ça, peut-être, c'est quand on a joué avec Cui-Cui. Je pense que ça doit être ça, ouais. Et il est où, Cui-Cui, maintenant? Là, il lève les yeux, putain. Je découvre le dénommé Cui-Cui. Un genre de rouge-gorge. Enfin, il y avait du rouge, mais le truc... Il passait pas le contrôle technique. Il était en... Enfin, il était sur la fin, entièrement désossé. Carrosserie, à l'atelier. Il était... La gueule en travaux. Hein. Il était complètement... Il était planqué sur une poutre, comme ça. Il avait un œil énorme, injecté de sang, qui fixait Poutine. Il était comme ça. Un film d'horreur. Je lui ai dit, ça va? Il me dit, au secours. J'ai dit, j'ai compris. J'ai dit, écoute-moi, Poutine. Tu es en état d'arrestation, ça suffit, les conneries. Il me fait, miaou. Je fais, ouais, c'est ça. Fais le chat, prends-moi pour un con. Hein? On s'emmerde à t'acheter des croquettes pour t'éviter à décapiter des animaux, et toi, tu continues? C'est vraiment le vice que t'as en toi, Poutine. L'envie de tuer, le goût du sang, tu t'en sortiras pas de ça. Oh, tu peux te lécher le trou du cul maintenant. En plus, il est rentré dans une étape, c'est les offrandes. Il nous ramène tous les animaux crevés du jardin, si tu veux. Il les dépose dans la maison. Dans son esprit, c'est pour participer aux frais, toi, de nourriture. J'ai dit, mais fous-moi ça dehors. Il m'a dit, dis donc, oh, les bons comptes font les bons habits. Il a ramené une tête de hérisson à mon gosse. Le gosse... Manuel Valls, le petit, il était comme ça. Une libellule. Être en paix vous permet de communiquer avec le reste du vivant. Faites le test, ça n'a rien à voir. Bon, vous allez passer un peu pour des cons, mais... si tu parles à un arbre, il y a des gens qui vont dire, qu'est-ce qu'il fout, toi? Mais en fait, il faut le faire. Discuter avec les arbres, toi aussi, tiens, ça t'arrive apparemment, ouais. Avec certaines herbes, mais t'as raison. Mais non, mais... Non, mais il a raison, le mec. Ouais, mais il a raison. Parce que discuter... Moi, de toute façon, mon spectacle en paix, si tu veux, j'explore le rire en paix. Qu'est-ce que tu... Je pousse le rire au bout du rire. Oui, mon rire devient mystique. Mon rire devient prière. Donc là, il faut que j'arrête. Enfin, prière. Pour moi, la prière est une grâce de l'esprit. Que les choses soient claires. Mais en tant qu'homme de rire, tu t'interroges. C'est-à-dire... Comment amener le rire au bout du rire? Tu vois, comment associer rire et prière? Bon, il y a la gestuelle, quand même, de la prière qui prête à sourire. C'est-à-dire le fait que les chrétiens fassent comme ça, les hindous aussi, hein, les musulmans comme ça. Bon, là, il y en a certains, la tête contre les murs. Avec respect, avec respect. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui croisent les pattes... Les Tibétains, pendant leur prière, arrivent à produire des sons extraordinaires. Je voulais le mettre dans le spectacle. Non mais c'est vrai. Il existe un Dieu unique, comment se fait-il qu'il y ait autant de manières de doigts de prier? C'est comme l'idée de vouloir attirer l'attention du Créateur. C'est amusant. L'idée qu'un individu veuille communiquer avec l'Éternel, c'est... Oh! Eh oui, j'étais là! Alors, mon spectacle s'adresse autant aux croyants qu'aux non-croyants. Hein. Personnellement, je ne vois plus aucune différence entre les deux. Hein. C'est normal, je suis en paix. Je ne vois que les convergences, hein, aujourd'hui. C'est ce qui nous rassemble. C'est logique. Hein. Vas-y, prends des notes, au contraire. La seule chose, si on veut rire ensemble ce soir, c'est de ne pas se prendre au sérieux. Oh. C'est ça. Franchement, l'homme sérieux est chiant. Oh, vas-y. La vie entière est jalonnée de connards en cravate qui te font des leçons de morale. Mais de la maternelle à la maison de retraite, hein. Oh, vas-y. Laisse-moi tranquille, putain. Vite ton délire ailleurs, là.
c'est toujours un mec sérieux qui nous entraîne dans la guerre, toujours. Il y a toujours un mec... Oh la vache, hein ? Oui, oui, vas-y, on te regarde, vas-y ! Mais c'est fou, c'est un truc de dingue, quand tu réfléchis, ils sont insupportables. Le sérieux est un handicap très lourd. Je dirais même que c'est un des handicaps les plus lourds. Hein. Je dirais même que la tétraplégie à côté, c'est plus léger. Hein. Non, 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 parce que j'ai un copain qui est tétraplégique. Bon, c'est vrai qu'il est dans la merde, faut être honnête. On rigole, mais à chaque fois, il me dit « Je suis dans la merde !» Oh, c'est quoi cette façon de rigoler ? Il y a un respect quand même. Hein. C'est-à-dire, le tétraplégique, comment dire, il est dans une forme de regret, tu vois, par rapport à l'achat de sa moto, déjà. Il n'en veut plus. C'est pas le modèle, c'est pas la couleur, mais non, il ne veut plus de motocyclette. C'est une décision qui est... Son appétit pour la vitesse est rassasié. Mais, non, non, mais, oui, mais, non, mais par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, l'homme sérieux, c'est très sérieux. C'est même désespéré, je suis désolé. Quand vous les voyez à l'Assemblée nationale, oh, ils les ont regroupés, il y a un nid là-bas. Oh la vache, les pauvres, ils ont tous, tu sais, ils sont comme ça. Ouais, oh, c'est atroce. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais, mais moi, je suis plein de compassion, je les regarde, je me dis, putain, tu sais, ils ont des petites attachées-caisses. Tu sais, il n'y a rien dedans, hein. Non, mais tu te dis quand même, ils ont été enfants, ils ont joué avec des papillons. Qu'est-ce qui s'est passé ? À quel carrefour on s'est paumé, les copains là ? Se mentir, d'accord, mais à ce niveau-là, c'est trop. Le Premier ministre, vous avez vu, Valls ? Oh la vache ! Oh, ouais, il n'est pas aimé, hein, putain. Puis l'autre, il se ment trop, l'autre. Ça se voit, le corps ne suit plus, l'autre. Tu sais, il parle, t'as le corps qui... Complètement possédé, le mec. Ah ouais, ils sont complètement tarés. Hein. Puis l'autre, il pense que c'est un homme bon, un homme de paix, tu vois. Si tu lui dis, mais vous savez quand même que vous êtes le chef d'un gouvernement qui vend des armes partout dans le monde. Là, il s'envole. À mon avis, il s'envole. Obama, c'est pareil. Lui, il vend des armes partout dans le monde. Obama, c'est... Oh. Et là, il a dit, il y a trop d'armes. Ben, surtout aux États-Unis, ils en ont marre. Tout le monde est enfouraillé là-bas. Même les fœtus commencent à être enfouraillés. Non, non, ils ont bricolé des petits flingues, tu sais, qui mettent dans le fion. Enfin, et non, non, le gosse, il sort du bide. American! Ils auraient buté deux sages-femmes il y a 15 jours. Ouais, alors voilà. Un faux, un tox, voilà, faut vérifier, mais je... Obama, il est parti au Kenya, sur la terre de ses ancêtres. Je m'étais dit, ça va lui faire du bien, retrouver ses racines, tu sais. Ça marche pas, il est plus connecté, l'autre. Il est arrivé, il a fait chier tout le monde, hein, tout de suite. Hein. Il est arrivé, il a dit « Ils sont où les droits de l'homme ?» On lui a dit « Écoute, tu peux déjà aller dire bonjour à ta famille, prendre des nouvelles des gens... » « Non ! Je veux les droits de l'homme ! Ils sont où les homosexuels ?» Quel rapport ? Il veut voir les homosexuels. Ben on sait pas, ils se cachent, ils se... Eh ben voilà! Il faut organiser une gay pride! Là, ils ont débranché les micros. Ils ont... Barack, il faut partir, on peut pas, là, on sait pas. Complètement malade. Non, parce que c'est ça, l'homme sérieux, il devient dingue. Au bout de son parcours, c'est la folie. Hein. Tu les vois, de hein, toute façon. Hein. Là, en ce moment, ils légifèrent, les gens sérieux, sur l'euthanasie. C'est vraiment le truc, tu vois. Tue-le, le mec. Lui, là, lui. Si, tue-le, je te dis. Si, il veut mourir, il veut. Je te dis qu'il veut, il a fait ça. Tu fais pas ça. Donc, il veut mourir, il a signé un papier. Putain, hein. Oui, c'est le mode d'emploi de l'imprimante, mais bon.
C'est-à-dire qu'il devient taré. Le mec sérieux, à la fin, il se prend pour Dieu. C'est pour ça qu'à notre niveau, il faut rire de ces gens sérieux. Car en riant d'eux, nous les humanisons. Nous leur offrons notre distanciation. Hein. C'est une forme de prière par le rire. Alors, prière selon saint Jean, tiens. Ce soir, alors c'est pas le saint Jean de la Bible auquel je fais référence, mais Jean Cardonnel, un frère dominicain de Montpellier, un moine, et un jour, il a fait la première partie de mon spectacle. C'était à l'Olympia, du temps où je pouvais encore faire ce genre de choses. Et je me souviens, il était derrière la scène, il regardait les gens, tu sais, derrière le rideau, comme ça, il regardait les gens s'installer. Alors moi, je pensais qu'il avait le trac. Je lui dis, ça va? Il me dit, ouais, ça va. Viens voir, Dieudo, viens voir. Dieudo, tu sais, il est long le chemin qui conduit à l'autre. Mais c'est le plus court chemin qui conduit à soi-même. C'est pas drôle comme ça, mais... Non, l'ami, c'est celui avec qui tu es en paix. Tiens, voilà le cadeau d'un ami, le vase de la paix. Il m'a été offert par un homme de paix et de prière. Mahmoud Ahmadinejad. Vraiment un homme extraordinaire. Vraiment. Ah, c'est vraiment un homme de paix, quoi. Mais l'amitié, c'est un beau sujet, l'amitié. Oh, l'amitié. L'amitié, c'est un beau sujet, l'amitié. C'est beau pis c'est rare. Alors je voudrais pas sombrer dans le larmoyant, mais il faut bien admettre que je vous considère comme des amis. Mais vous, le public, on fait équipe depuis combien de temps? Ça fera bientôt 30 piges. On se fend la poire, mais le temps passe. Alors il y aura toujours du malfaisant prêt à médire sur mes intentions, hein, comme quoi je ferais une mariole pour du Talbin. Oh, j'en croque un peu, faut dire les choses, mais faudrait pas oublier les faux frais, copain, parce que les fantaisies que je refourgue, elles sont inscrites sur mon casier, il en manque pas une. On rigole, mais le dieu d'eau, il a la maison Pouladia en colocataire. Ah, je les ai au cul matin, midi et soir. Puis tu peux même rajouter la nuit, tiens. Donc à un moment donné, il faut se mettre au vert. Un dernier fric-frac, on met les voiles. Faut oublier que le saltimbanque qui vous parle, là. Mais ils le foutent en tôle. Moi, j'ai la case prison en bout de piste, et clignote, on dirait une entrée de discothèque, le bazar. Donc les vas-y, dieu d'eau, fais-nous marrer, très peu pour moi. On a fait un bout de chemin ensemble, mais je me retire. Bon, on se retrouvera peut-être à la Saint-Glinglin, tu sais. Allez, merci pour tout. Rire. Rire avec l'amitié, c'est rire avec le temps. On revient toujours sur ces notions de temps. Tu sais, l'amitié qui traverse le temps. Avec le temps, on fait des retrouvailles. Salut Pierrot, excuse-moi, je suis en retard. Oh, impossible de se garer, c'est de pire en pire. Ça va toi? Ah, hein? Ouais, ça va. Oh, je t'ai reconnu tout de suite. Hein? En 35 ans, là, t'as pas changé. Bon, t'as pas changé. Ah, ça n'a plus rien à voir non plus. Hein. Putain. T'as eu une maladie, non? Quelque chose. Hein? Le cancer, non? Un truc comme ça. Hein? Atroce. Moi qui croyais que ça allait me remonter le moral de voir ta gueule, excuse-moi, mais là. Bah ouais, mais on s'entretient un minimum, Pierrot, il y a un minimum, merde. Moi, quand je me regarde dans une glace, je me reconnais. J'arrive quand même, tu vois, excuse-moi, tu prends la photo de classe, tu vois bien que c'est... Oui, j'ai peut-être pris un peu de bedaine, bon. C'est pas un kilo ou deux qui va jouer sur le... Comment ça, on dirait que je suis enceinte de 6 mois. En tout cas, la délicatesse, c'est toujours pas ton truc, là. Hein. Espèce d'enculé. Ben non, mais de toute façon, j'ai jamais pu te blairer avec ta famille de gitans, vous n'avez aucun savoir-vivre. Et même pour rire, tu ne sais pas. Ça se trouve, je fais un complexe avec mon bide, espèce d'ordure. Mais je te fais marcher, pauvre con. J'en ai rien à foutre à un niveau, tu sais. On vieillit, c'est ce que je dis. Ouais, ben je vous ai retrouvé avec Internet, là. Site Internet, là, c'est mes gosses, ils sont sur Internet, hein. C'est fou ça. Ils m'ont dit, papa, ils te recherchent, ils veulent refaire la photo de classe 35 ans plus tard.
Mais on a regardé, il fallait donner 8,50 €. J'ai dit qu'ils aillent se faire enculer. Attends, presque 60 francs de notre époque. Alors, on n'a pas les moyens, attends, c'est la crise, hein. Attends, on va où les mecs là? Puis on était une classe de banlieue parisienne dans les années 70, hein, y a pas eu de miracle non plus. Hein. Je sais qu'il y en a une qui s'en est sortie, ouais, qui aurait quand même réussi à faire fleuriste, je sais pas quoi, mais la plupart, rendez-vous chez Pôle emploi. Le Jean-Christophe, ouais. Ouais, je me souviens, lui. Ah, il est mort. Merde. Rupture d'anévrisme. Oh, putain, la vache. C'est dingue, ces maladies, quand même, Pierrot. Les tuyaux qui pètent dans le crâne, c'est pas logique, des trucs comme ça. Tout le monde a la chiasse. C'est la bouffe qu'ils nous donnent. Hein. Il y a quelque chose, ils sont en train de nous empoisonner, les mecs. Hein. Et Philippe, ouais, il est mort aussi. Hein. Ah, c'est devenu une bonne fave. Merde. Hein. Philippe le judoka, là. Que... Marie-Christine, il s'appelle. Ah, tu fais bien de me le dire, hein, que je fasse pas le con si je le croise. Ou... Transgenre. Oh la vache. Ça, c'est la bouffe aussi, non? Tu crois... Non? Tu me diras, son père était au Parti Socialiste, l'autre, non? À mon avis, ça n'a pas dû l'aider, ces conneries-là, non? Ah, t'es de gauche? Oh, pardon, oh là là! Pas de politique. Ah non, 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 moi je vote pas. Je te dis tout de suite, pour moi, c'est tous la même merde. Hein. C'est... Le? Moi, j'ai eu 3 gosses, ouais. Ouais. Personnellement, ouais. Avec 2 bonnes femmes différentes. Puis un 4e, là, une pièce rapportée, là, elle veut que je l'adopte, mais j'en veux pas de son gosse. Ma dernière bonne femme, là. Non, non, je l'aime pas, son gosse. Je lui ai dit, j'aime pas sa gueule, j'aime pas la façon dont il me regarde et tout ça, j'aime pas ça. Un malgache. Non, Pierrot, tu connais pas, je t'assure, c'est la race est méchante. Non, non, j'étais comme toi, je connais, mais non, non. C'est trop mélangé, le malgache, ils ont exagéré. Ah, t'as de tout, tu sais, dans le malgache, t'as du renard, t'as du poisson, tu sais. Pierrot, 8 ans et demi, il fait 2 mètres le truc, oh. Les dents pointues, il a plus ou moins aileron dans le dos, va où les gars là, hein. Même le chien, il a peur, il le voit, tu le vois, hein. C'est un pit, donc c'est pas normal. Il a peur. Et le chien, ça sent le tsunami, ça sent qu'on s'affoire. Donc là, moi, j'ai fini avec une femme de ménage. Ouais. Une Sri Lankaise. Ouais. Parle pas le français, j'ai envie de te dire, on s'entend bien, on parle pas en fait. C'est une femme, je la connais pas. Elle est là, quoi. Si elle est là, elle a décidé d'être là, quoi. Ah non, 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 tout le contraire, franchement. Ah non, grosse, moche, vieille, atralin, kiss dans quoi elle est immonde, franchement. Je l'ai vraiment choisi le plus pourri possible. Ah, tu sais, je voulais plus être emmerdé avec les rouges à lèvres, les conneries, achète-moi une robe. Non, non, c'est une femme, Pierrot, elle me coûte pas. Hein. Au niveau, Pierrot, au niveau entretien, un coup de jet d'eau au plumard. Allez hop, là. Toi aussi, t'as divorcé, ouais. Bah, c'est rare que ça tienne, hein, maintenant, les gens... 20 ans de moins, là, la... Oh putain, tu vas t'emmerder, Pierrot. Hein. Déjà, on voit que t'as pas la santé, elle va t'achever. Hein. Mon avis, elle est avec toi pour le pognon, hein, c'est ça. Hein. Parce que c'est pour ça que tu t'es fait greffer des implants sur le crâne, là. Pour essayer de lui plaire, essayer de rester dans le coup, certainement, non? Si ça se voit... Pauvre Pierrot, tiens, si ça se voit. Oh, bah, du bout de la rue, j'ai vu Pierrot. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce champ de poireaux atroce qui nous a mis, là? Tu te serais fait greffer un gyrophare, ça serait plus discret, crois-moi bien. Hein. Atroce, tu veux mon avis, c'est immonde. Ah, oh, ça a été mal fait, t'as dû payer ça, rien du tout, mais. Ah, même à regarder, on dirait une vieille poupée de brocante, toute râpée, tu sais. Mets une casquette parce que les gens vont me cracher à la gueule, je te dis tout de suite. Hein. Tiens, on arrive à des âges, Pierrot, ça sert à rien de cacher la misère aussi. Hein. Faut reconnaître que t'as un certain âge et puis c'est tout. Hein. Ah, moi j'ai dit passer 40, 45 ans, terminé. Hein.
Là, tu es dans la grande descente. Hein. Moi, ça a commencé, c'est la vue, moi. Le jour de mes 40 ans. Hein. Clic-clac. Qui a éteint la lumière? Pour moi, je suis non-voyant. Ah. Là, je te repère, parce que tu pues la mort. Déjà, je peux pas te louper, mais... Non, mais Pierrot, faut arrêter les conneries, t'es emmerdé et tout. Après, tous les check-up et tout, ils font faire des trucs. Le médecin du travail, l'autre jour, là, un négro. Un mec, d'où il était, l'autre Botswana. Tu vas pas me dire qu'on n'a pas des toubibs en banlieue parisienne pour aller chercher aux autres toiries. On va où, les mains? L'autre, noir. Il était bleu, le type. Je te promets, hein. Il me regarde avec ses gros yeux. Tu sais, j'ai les jetons, moi. J'ai, oh. Tu sais, j'ai... Puis il me parle. Tu comprends que dalle avec son accent à la con. Tu sais. Donnez-moi des bananes. Et puis... Et à un moment donné, j'entends coloscopie. Mais l'autre, il s'est mis dans le crâne de me ranger une caméra dans le fion. Une idée qu'il a. Il a vu que j'étais pas content. Hein. Une caméra. Alors bon, Pierrot, c'est pas les caméras que tu vois à Roland-Garros non plus, tu sais. Les trucs avec les guidons de moto, tu sais. Non, Pierrot. C'est quand même de la belle caméra, crois-moi bien. Je suis allé me renseigner sur Internet. Hey, tu retires le guidon, il reste un bout. Je lui ai dit, écoute-moi bien, bambou, là. Je sais pas où t'as chipé ton diplôme, toi. Hein? À Yaoundé, à Cotonou, je veux pas le savoir. Ferme-la, Chita. C'est pas sur moi que tu vas exercer tes singeries, ok? Fous-toi ça dans la noix de coco, allez, tire-toi. Psst. Psst. Rentre chez toi, va bouffer les puces de ta négresse. Et Là, il s'est énervé. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Oui, ben, il s'est énervé, c'est vrai. C'est ça qui m'a étonné. Il m'a dit, oui, je suis à la LICRA, je vais porter plainte contre vous. Oh, j'ai dit, tu peux porter plainte, je suis insolvable, j'en ai rien à foutre de ta plainte. Non, mais Pierrot, au siècle dernier, le français, on crevait peut-être un peu plus jeune. Mais avec un minimum de dignité, Pierrot. Moi, j'ai mon arrière-grand-père, il a fait Verdun. OK? OK? Il a été dans les tranchées, il a été décoré là-bas. Il a perdu ses deux jambes. Hein, on lui a retiré le foie, on lui a retiré le cœur. On lui a retiré la colonne et le cerveau. Mais il avait toujours sa tête, crois-moi bien. Il est revenu dans une valise. Et Pierrot, et je te prie de croire, Pierrot, que jamais un négro lui aurait rangé une caméra dans le fion. C'est une question de principe de dignité humaine. Hein. Merde. Mais c'est dingue la vie, hein, quand tu regardes comment c'est foutu. On a tous un parcours différent, tu sais, Pierrot, sur cette terre. On a des métiers, on a des familles, on a des vies, puis on finit tous au fond du trou. Ça t'y échappera pas. Hein. Jean-Marc, mets-moi un jus d'ananas. Quoi, Pierrot? Qu'est-ce qu'il y a, Pierrot? J'entends pas. Il y a des cons qui passent là. Qu'est-ce qu'ils font là? Ouais, mais je parle à Pierrot. Là? Si j'ai déjà tué quelqu'un? Qui, moi? Ah non, jamais tué. C'est pas l'envie qui a manqué, mais j'ai pas eu l'occasion. Quoi. Pourquoi? T'as tué quelqu'un, toi? Bah si tu poses la question, Pierrot, t'as certainement tué quelqu'un. T'as qui, quoi? T'as fait marche arrière sur ton enfant. Oh putain. Enfin merde, je veux dire, hein? T'es un matin, ouais. Tu partais au boulot. T'étais pressé.
tu montes dans la balle, marche arrière. Ah, le con. Tu t'en veux? Ah bah, c'est la moindre des choses, Pierrot. Eh, hey, écraser sa propre descendance, on va où, là? Vas-y, chiale, Pierrot, je vois, t'as envie de chialer, chiale, chiale. Voilà, chiale, chiale. Y a pas de honte à chialer devant un copain, Pierrot. Il a écrasé son gosse, mon... Marche arrière, sur la gueule. Parce qu'il aurait... Pierrot... Ouais, j'entends, mais écoute-moi. Pierrot... Ah oui, mais je te parle, on écoute aussi les gens, Pierrot. Hein. T'as des problèmes, on a tous des problèmes. Hein. Parce qu'il aurait quel âge, le gosse, si tu l'avais pas écrasé? En marche arrière, quand t'es parti comme un con, là, c'est 20 ans. Putain. C'est déjà beau que tu te sois pas suicidé quand même. Hein. Maintenant, faut que t'arrives quand même à te pardonner, hein. C'est tout, hein, quand t'es embarqué dans des merdes pareilles. Alors, le pardon, eh, Pierrot, j'y croyais pas, moi. Et puis ma bonne femme, ma Sri Lankaise, là, ouais, elle m'a trompé, dis donc. Oui. Tu verrais l'engin, le truc improbable. Eh ben, elle a réussi à trouver une bite à les sucer, je sais pas où l'autre. Alors, oh ben, elle s'est fait choper instantanément, hein, tu sais, avec les conneries de portable de maintenant. Elle avait oublié son téléphone dans la bagnole. J'amène les gosses à l'école, moi, tu vois. Pour une fois, tu vois. Genre... L'autre, il envoie une photo de sa bite, le gars. J'ai scanné ça, j'ai dit, oh, c'est pas moi, ça. Tenez, les enfants, regardez, c'est les amis de maman, ça. Regardez bien. Je l'ai envoyé à tout son répertoire. Tout le monde, toute la famille, toute sa... La grand-mère, elle m'a appelé, arrêtez. J'ai dit, je t'enverrai la bite tous les jours. Fais un 4 par 3, je l'ai mis dans la rue. Recherche cette bite. Crois-moi bien que t'es toute chasseuse, ma Sri Lankaise. Elle me dit, je te demande pardon. Oh, je t'ai entendu. Mais tu manques pas d'air, espèce de pute. Non, mais c'est normal. J'avais la jalousie en moi, il fallait que j'exprime quelque chose. D'ailleurs, elle l'a dit, t'as tout à fait raison de t'exprimer, c'est normal. Je dis, comment tu veux pardonner une dégueulasserie pareille? Elle me dit, ben, pardonne-moi comme Jésus l'a pardonné. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Il a pardonné la pute, Jésus? Elle me dit, mais il a pardonné tout le monde, t'es même pas au courant. T'as pardonné la pute, le client de la pute, le gérant de l'hôtel, l'attaché culturel de Bourg-Saint-Maurice. Il aurait même pardonné à ceux qui l'ont crucifié. Je dis, c'est pas possible. Attends, de la pointe de 17, ça commence à chatouiller les pinceaux, ton truc. Hein. Mais c'est là que j'ai quand même commencé à comprendre, tu vois, la notion de pardon, que j'avais pas réfléchi à ce truc-là. Et c'est vrai que quand tu réfléchis, le pardon, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment la baguette magique qui guérit tout. Très bien. Monsieur Tourniquet, vous allez rentrer, nous allons... Donc, commencez ce premier entretien préalable à votre licenciement. Donc voilà, vous pouvez peut-être éteindre votre musique. Une idée que j'ai eue comme ça. Alors on va... Non, laissez Florence, mais enfin bon. Alors monsieur Tourniquet, vous vous concentrez. Vous êtes en CDD à la RATP depuis 14 ans. On va laisser comme ça. Donc... Monsieur Tourniquet, vous avez reçu sur cette période 27 avertissements. 18 blâmes. Non mais qu'est-ce que... 19 même. Ah bah, si vous êtes fiers, on va corriger. Bon, je vais pas tous les énumérer. Refus d'obéissance, organisation de soirées clandestines dans les entrepôts. On vous a prévenu, mais apparemment, soirée zouk. Oui, mais le genre musical importe peu. Vous êtes sur un lieu de travail, monsieur Tourniquet. Hein ? Consommation d'alcool. Hein, vous avez également été surpris dans le local syndical avec des femmes extérieures à l'établissement, dans des postures sans équivoque. On a les vidéos de surveillance, on a tout. Hein, on a. Si vous pouviez en avoir un double. Oui, mais moi, ça ne m'amuse pas, monsieur Tourniquet. Vos petites histoires ne m'amusent plus du tout. D'accord? Vous avez bénéficié d'une certaine indulgence, le fait que vos deux parents soient de la RATP, mais je crois que, la limite a été franchie, monsieur Tourniquet. Vous êtes conscient de cela?
Non, je ne suis pas conscient de ça. Nous allons parler. Alors, moi, je suis conscient d'une chose. C'est que j'étais trop patient, moi, pour une guerre. Parce que monsieur le directeur. Non. Monsieur le directeur, s'il vous plaît. Au départ. C'est-à-dire au départ. Wow. Moi, pour une guerre. Je suis un Africain. J'étais en Afrique, j'étais bien. On est en famille, on fait les brochettes. Bon, là, j'étais déporté de là, jusque dans vos champs de canne à sucre. Et maintenant, à la RATP. Mais moi, j'ai rien à foutre de ta machine de RATP. C'est comme ce nom de tourniquet que tu veux. Mais toi, tu rigoles, c'est pas un nom. C'est léger pour les enfants. C'est le nom d'esclave que vous m'avez donné. Et tu continues. Non. J'ai dit allons au prud'homme. C'est trop grave. Allons au prud'homme. Moi, je suis des dom-toms. Allons au prud'homme-toms. S'il vous plaît. Ah non, je ne ferai plus d'efforts. Ça, je tiens à vous préciser. Je vais faire mousse d'efforts maintenant. Mousse. Notez, Florence. Désesse. Parce que nous, je considère, nous les Antillais, nous avons fait trop d'efforts. 400 ans d'effort. Je suis fatigué. J'ai le point de côté. Je n'avance pas. Je n'ai plus l'énergie pour t'écouter. Non. Pourquoi tu fais les gros yeux méchants comme ça? Tu continues à faire chien méchant là. Attention, Béké. Attention. Bientôt, nous qu'à faire comme collègues arabes là. Décapite ça bien, Nouka. Nous les Antillais, nous avons été trop patients. Pourquoi? Parce que je te considère comme un enfant. Nouga, tu es rose, tu es comme un poupon. Tais-toi. Fiston, appelle-moi papa Tourniquet. Parce que Nouga venait d'Afrique, là, l'Égypte ancienne, tout en camon. Tu parlais zouk. Est-ce que tu connais Sanman Zouk? Zouk. Non, c'est faute un peu la rosette, mais... Zouk, c'est l'expression des paix que tu as en toi. Nec qui pardonne grâce à Zouk. Zouk là, calmez-moi. Nec qui pardonne grâce à Zouk. Zouk, moi. Ça, c'est les Zouk comme ça. Tu comprends? Tu tiens la petite, tu colles la petite. Nec qui pardonne grâce à Zouk. Zouk là, calmez-moi. Quelle magnifique expression de paix que la musique, évidemment, on est dans le sujet. Mais le pardon, quelle extraordinaire production de l'esprit humain que le pardon. Je veux dire, la femme qui pardonne à l'homme, l'homme qui pardonne à la femme, le noir qui pardonne au blanc, le japonais qui pardonne Hiroshima. Le palestinien qui pardonne au monde. Alors, ça peut paraître impossible, le pardon, je vous l'accorde, mais c'est notre salut à tous. Je veux dire, le pardon est inévitable. Mais comment pardonner à l'assassin qui t'arrache à l'être aimé? Comment pardonner à Andreas Lubitz, le copilote de la Lufthansa? Il y a un an, le dingue qui s'est enfermé dans le cockpit et qui a entraîné dans la mort 150 personnes. À chaque fois que je prends l'avion, je regarde le copilote. Ah ouais, ça m'a traumatisé. Ça va? Oh. Non, ça va, il n'y a pas de problème. On laisse la porte ouverte quand même, on va... Vous êtes mis à la place des 150 passagers, la longue agonie atroce. Oh, j'ai été obligé d'en faire un sketch. Oh putain, la vache, incroyable cette envie de pisser depuis ce matin. Pourquoi elle est fermée cette porte? Andreas! Andreas!
Andreas! Andreas! Il a un truc à faire dans le sketch. Un seul truc. Je lève la main, t'envoies le banc de son. C'est normal. Il veut me niquer ce spectacle depuis le début. Hein. Et c'est systématiquement à ce moment-là du précis du spectacle. Il y a un problème psychologique de toute façon. Ouais, je pense que ça fait déjà plusieurs spectacles. Jackie, regarde-le, regarde-le. Tu vois ? Il pense qu'il est le copilote du spectacle. Ouais, le fait de contrôler la lumière et le son, ça lui donne un droit de vie ou de mort sur les personnages. Complètement taré, regarde-le. Hey, regarde ton altibète, c'est ça, n'importe quoi. Bon, on va faire diversion. Kevin, apporte-moi une personne. Tiens, le jeune homme là, venez monsieur. Applaudissez monsieur. On va faire diversion, voilà. Ah. Bonsoir, ça va bien? Ouais, je vais te tutoyer, tu t'appelles comment? Noé. Noé. On applaudit Noé, s'il vous plaît. Alors Noé, par contre Noé, je vais t'appeler Thomas, parce que là on est dans l'imaginaire. Hein. Donc là tu es Noé, tu es le Lyonnais, on va l'appeler. Mais là, non, là c'est vraiment... Là ce qu'il faut faire, c'est rentrer dans l'imaginaire. Non. C'est mieux. Oh, c'est bien. Voilà, mais va pas trop loin. Hein, va pas trop loin. Parce que là, hein, tu as une vie ici, tu as ta famille ici. Alors, là, donc, rentrer dans l'imaginaire. Ça veut dire que là, nous sommes dans la cabine de la Lufthansa. Là, il y a les passagers hein, qui te regardent, qui nous regardent. Hein. Ils sont anxieux. Là, il y a la porte du cockpit, derrière laquelle se trouve Andreas Lubitsch. Le dingue. Je vais te tendre une hache, Noé. Tiens. Voilà, très bien. Elle est un petit peu plus lourde, normalement. Là, on y est. Là, on y est. Extraordinaire. Alors, Noé. Donc, c'est Thomas. Hein. Tu n'es plus Noé. J'ai fait exprès de faire une faute. Pour que tu... Hein. Oui, mais reste concentré. Donc, tu vas pouvoir donc, fracturer cette porte. Hein. Moi, je me jetterai sur le copilote pour le contrôler, hein, pour éviter qu'il nous écrase tous. Donc, sans toucher l'instrument, donc tu vas... Voilà, vas-y, vas-y. Ah, attention, la bande-son. Non. Non. T'entends pas. On l'applaudit bien fort. Bravo Noé. Applaudissez Noé. Ah, rends-moi la hache. Voilà. Non, il n'y en avait pas. Ça, c'est le cannabis. Alors, le... C'était une petite démonstration hein, qu'on a faite avec Thomas, Noé. C'est qu'en fait, c'était pour vous démontrer une chose. Il est impossible maintenant de fracturer les portes des cockpits. Pourquoi? Parce que voilà, depuis les attentats du 11 septembre, toutes les portes des cockpits sont blindées. C'est pour éviter que des tarés prennent le contrôle de l'appareil. Maintenant, si le taré est à l'intérieur... Merde ! On n'avait pas pensé ! Alors, retournons maintenant dans la cabine de la Lufthansa. Y a-t-il parmi les passagers un psychiatre ou quelqu'un qui pourrait... Ben, je suis psychothérapeute. Non, je dis, je suis psychothérapeute. C'est un peu différent, mais je... Normalement, notre travail est basé sur l'écoute. Là, il ne parle pas, c'est très compliqué. Non, non, mais je peux tenter quelque chose, je vous en prie. Ma vie est en danger, je me sens concerné. Comment s'appelle-t-il? Andreas. Andreas. Il a une passion dans la vie, un point d'accroche sur lequel on pourrait travailler. L'informatique. Andreas. Je m'appelle Jean-Marc Van der Luch. Je suis psychothérapeute. Un terme plus contemporain, je serais un genre de webmaster de l'esprit.
c'est notre père. Andreas, il semblerait qu'un bug soit intervenu dans votre programme, hein, sur votre site. Hein. Vous devenez peu à peu un senior site. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Bon, on me presse, Andreas. Il faut réinitialiser votre mental. Hein. Revenir à la configuration initiale, celle du petit Andreas qui tête sa mère. Hein. Faites reset. Pensez reset. Contrôle, pomme, arrobase, hein, échappe, 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 échappe. Moi, je m'appelle Jennifer. Voilà, j'ai 24 ans, là, tu sais, je suis originaire d'Obitibi dans le Grand Nord du Canada, là. Là. Je suis en vacances, quoi de ça, je vais à Düsseldorf, mais ça n'a pas de bon sens, Christy. Je suis en tabarnak, là. En plus de ça, j'ai failli louper l'avion, entends ça. C'est joué à une minute, cette affaire, là. La porte de l'avion était déjà fermée, là. Puis c'est la chef des cabines, elle me dit, « Ah, ben, vous avez de la chance! Ah! » J'ai envie de tuer quelqu'un, là, tu sais. Ça va pas pantoute, là, tu sais. Je vois toute ma vie qui défile devant moi, là. Je vois mon arrière-grand-père que je n'ai pas connu, là. Tu sais, qui était amérindien, là. Puis je vois sa grosse tête d'apache qui sort du temps comme ça, là. Puis qui me chante, là. Tu sais, avec ses plumes en aigle royal de la Lufthansa. J'ai envie de manger de la drogue, en fait. Je pense que c'est... Je vais pas être là tantôt. Maman, si t'as peur, je m'en pisse dessus, tu sais. Pourquoi tu me regardes comme ça, le chinois, là? Fais-tu me baiser ou quoi? Ah non, y a pas baiser. Hein. Ah, pardon, mais j'étais au gardien, comme ça. J'ai entendu que toi t'as accueilli, mais j'ai pas baisé. J'ai écouté comme. Mais je comprends que toi tu as peur. Moi aussi j'ai peur. Tout le monde a peur. Parce qu'on va mourir. Mais en tant que bouddhiste, j'invite à toi dans le vakuté. Vakuté, ça veut dire vakuté, comment dire, que l'homme qu'il est enfermé dans le coupir. Le coupir. Lui, il est prisonnier de sa souffrance. Nous devons lui offrir notre compassion, notre amour pour ne faire plus qu'un. Qui me réveille? Firmin, on est arrivé. Vous dites que l'avion va s'écraser, hein? Oh là là, mais... C'est-à-dire, même les premières classes sont concernées par cette affaire-là. Ah bon? Oh là là, les copilotes. Mm-hmm. Il s'est enfermé, hein? Ah, mais dites-lui que l'ambassadeur du Cameroun est dans l'appareil. On ne fait pas n'importe quoi. Allez, Firmin, allez me chercher la chef de cabine. Responsable, c'est que ruban rouge. Ah, elle a sombré dans le coma. Ah bon? Mais si je veux le café là, qui va donner? Il y a un protocole, il y a une procédure. C'est qui? Vous criez? Vous dites, c'est la panique.
Ah bon, hein? Mais pourquoi les gens paniquent? Quelles sont les revendications, les copains? Il a demandé. Ah, il n'a pas? Oh là là. Firmin, vous allez glisser un billet de 5 000 sous la porte. Vous dites, c'est pour la bière. C'est moi, le docteur est son bas. Je vais même donner ça. Hein. Ah bon, vous avez essayé l'argent. Hein. Il ne prend pas. En tout cas, ça n'est pas un Camerounais là-dedans. Je dis que Makane, je dis que il allait racler la moquette avec. Hein. S'il vous plaît, vous êtes dans l'espace première classe. On ne crie pas. Ah bon? Là, nous frôlons l'incident diplomatique, chien. Firmin, c'était quoi? La lumière a clignoté, hein? Vous dites, nous avons touché la montagne. Et qu'est-ce que cette montagne faisait même dans le ciel? Vous ne répondez pas, Firmin? Vous êtes tout pâle, on dirait un blanc. Qu'est-ce que vous arrive là? Hein? Qu'est-ce que vous avez sur la chemise? C'est le vomi? Ah bon, hein? Vous avez vomi? Et vous gardez ça comme ça? Non, il faut aller enlever. Adieu. Ah, comment? Adieu. Firmin, vous comptez vous absenter? Hein? N'est-ce pas? Nous sommes dans un avion, on ne peut pas quitter, il faut attendre. Yeah. Trouvez-moi un domestique. Je voulais, c'était pour le café. Que j'aille me faire enculer. Oh là là. Non, je refuse. Je sens de l'incompréhension. Je préfère me rendormir. Vous avez pu le constater, rien ni personne ne semble pouvoir détourner de sa route le kamikaze. Le kamikaze, personnage emblématique de notre époque contemporaine, nouveau héros de cette télé-réalité de l'information, BFM TV et Allah Wakbar Productions présente Je te tiens, tu me tiens par la carotide. Au programme décapitation pyrotechnique Kalachnikov. Ah, le kamikaze est rentré dans les programmes télévisés, c'est clair. Puis alors, le kamikaze fait vendre, c'est ça le plus cynique de la situation. Demandez aux annonceurs de TF1, de BFM TV, en termes d'audimat. Les frères Kouachi ont fait mieux qu'une finale de Coupe du Monde de football. Hein. Ils ont scotché la France pendant 2 jours devant les publicités. On n'en a pas loupé une miette. Oh. Et la voiture blanche, elle était là ou pas hier? La voiture blanche qu'on voit. Retournons, je vous prie, dans la cabine de la Lufthansa. Je vais tenter pour vous ce soir l'impossible, l'acte humoristique ultime, me télétransporter dans le cockpit dans lequel se trouve Andreas Lubitz, le taringue. Je vous rappelle que Andreas Lubitz est enfermé dans le cockpit de l'appareil depuis près de 20 minutes, qu'il a enclenché la procédure de descente, et que si aucune manœuvre n'était tentée pour redresser l'appareil, celui-ci s'écrasera au sol dans moins de 30 minutes. La tentative de Dieudonné Mbala Mbala, humoriste jadis considéré comme controversé mais aujourd'hui homme de paix aimé de tous, représente donc la dernière chance de survie du monde libre. L'humoriste parviendra-t-il à faire rire le kamikaze et à inverser la tendance? Salut Andreas. Je peux m'asseoir? Voilà, ça descend, dis donc.
Toujours impressionnant, le tableau de bord d'un Airbus avec tous les boutons, là. Oh, pardon, faudrait pas qu'on remonte. Je suis rentré par la porte, alors la porte du spectacle, la porte de l'imaginaire, Andreas. Ah oui, celle du cockpit est verrouillée. N'aie pas peur, Andreas, je te sens nerveux, mais j'arrive du futur. Voilà, j'arrive d'ailleurs, moi. Je n'interviens pas dans les événements. L'avion va s'écraser, enfin, si c'est ton choix. Voilà. Ah oui, il va exploser. On va reconnaître les corps avec l'ADN des chicots. Je cache pas que derrière, Miss Barcelone va être un peu décoiffée. Là, je t'ai reconnu tout de suite. Andreas Lubitz. Ah ben ta photo, Andreas, tu vas faire la une dans le monde entier. Ah ouais, Andreas Lubitz en grand, une star. Ouais. Oh, ça va durer 15 jours, quoi. Après, bon, l'info, tu sais, il y a un turnover. Hein, à un moment donné, tu vas te faire chourer la vedette par un coupeur de tête. Un migrant, le bec dans le sable. Bon, bah, j'ai... Ah ben, une en chasse une autre. Hein, c'est le jeu de la presse et des médias. Hein. Mais t'as fait 15 jours, c'est quand même pas mal à la une, attends. T'as fait moins que Charlie Hebdo. Hein, mais bon, là, c'est pas les mêmes productions non plus, tu dois quand même reconnaître. Mais t'étais tout seul. T'étais tout seul, mais t'as 150 victimes, c'est un record. On n'en a pas assez parlé, mais c'est toi le recordman de... Alors qu'est-ce que je fais là, voilà, parce que moi je pars dans mes trucs, excuse-moi. Alors, j'ai décidé, Andreas, d'intégrer ce face-à-face que nous avons tous les deux à la fin de mon spectacle. C'est-à-dire que moi, au moment où je te parle, je suis à Lyon. Donc, je ne sais pas si tu connais, bon, peu importe. Je suis à Lyon, devant un public. Ouais, là, il fait du bruit. Ah ouais, ils sont là, ils sont très présents, crois-moi. Ah, tu les entends pas, mais moi j'ai un public, voilà. Et qui est là pour rire, tu vois, c'est tout. Ah ben ça n'a rien à voir avec toi, en fait, André. Je dirais même que c'est l'inverse. Toi, le public est derrière, il hurle, il veut sortir. Non, là, ils rigolent, ils ont payé pour rire, ils ont payé. Mon public, toi aussi, c'est vrai. Allez, un partout. Mais ils n'ont pas payé pour ce que tu fais non plus. Mais si tu veux, Andreas, on ne rit pas de toi, que les choses soient claires. Voilà, on rit de la situation que j'ai mis en place, de la mise en scène. J'ai interprété aussi des personnages de passagers de ton avion, oui, derrière. Notamment un diplomate africain, il ne sait pas où il en est. Ah bon, oulala. Qu'est-ce qu'on a ri avec les passagers. Pardon. Si je suis le diable. Bon, je pense pas, hein. Je te trouve même un peu gonflé de me dire ça, hein, toi. Tu serais pas journaliste à tes heures perdues. Mais non, je peux pas être le diable. Moi, je suis humoriste, c'est pas l'humoriste, c'est pas le diable. Humoriste. Si tu veux, je suis humoriste dans la société française. Donc la société française, c'est pour ça que j'ai choisi la situation, elle est un peu comme ton avion, toi. Elle va s'écraser. C'est inévitable. Elle va exploser, voilà. Mais nous, on n'a pas accès aux commandes. Le cockpit est bloqué. Et on leur dit, tirez. Non. On est parti. Alors nous, on dit non. Et moi, en cabine, je fais rire les autres. Quoi. Voilà. Hein. Ah, oui, il y en a un, il dit merci. Parce que... Hein. Ah, ils savent. Ils savent que c'est foutu, mais... Tu vois ce que je veux dire? Et même, ils applaudissent. Si tu veux, Andreas, je t'explique. Si tu veux, toi, c'est ton dernier vol. Moi, c'est mon dernier spectacle. J'ai décidé de finir mon œuvre en paix dans un monde de fous. Et tu illustres parfaitement cette folie du monde. C'est pour ça que j'ai choisi cet adieu. Ah, on va toucher... Ah oui. Ah oui, on va toucher les arbres, effectivement. Ouais. Bon, bah écoute, c'est le mot de la fin, Andreas. Donc, salut. Tu disparais, là, de mon sketch. Disparais de mon sketch, Andreas. Assis-toi. Non, c'est fini, là. Qu'est-ce que... Un bisou. Non. Oui, mais non, je veux pas être sur la boîte noire. Je sens que ça va me retomber sur le dos, cette connerie. Allez, tu disparais, c'est fini. Bon, alors là, c'est le mot de la fin, c'est toujours beaucoup d'émotions. Bah non.
Alors, bon, voilà. Alors, bon, je vais effectivement bientôt la fermer. Alors, bon, alors le mot de la fin, c'est déjà pas simple. Donc, 25 ans de One Man Show, dadada. Alors, bon. Donc, ouais, mais attendez, laissez-moi terminer. Alors, bon, c'est Toto. C'est Toto. C'est Toto, bon, qui se lève face à son public, comme ça, sur un coup de tête, et qui lui dit au revoir. Fraternité, pour cette résistance. Mes respects. Chapeau bas.